Bonsoir à tous, direct à la place du village. Bienvenue à la montagne, si c'est le cas pour vous. Premier week-end de vacances et haute saison. Nous sommes week-end du 14 juillet, nous sommes à la Clusaz. Et voici les vaches qui sont à mes côtés. C'est ça la montagne. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez depuis les Aravis, la Clusaz, les confins, 1500 mètres d'altitude. Voilà une vache qui porte du lait actuellement. C'est, ou alors après la traite plutôt là, elles ont été traites il n'y a pas longtemps. Et c'est la montagne comme on l'aime. Bienvenue vacanciers si c'est le cas pour vous. Et à ceux qui viendront bientôt nous rejoindre en montagne, c'est tellement beau. Et elles broutent de bon cœur ces vaches, hein, évidemment, l'herbe est fraîche ici, et l'herbe est bonne. Les Aravis, vous connaissez les combes des Aravis derrière moi, enfin devant moi en tout cas, on sort du Canada. Week-end 14 juillet, n'oubliez pas. Donc beaucoup de manifestations dans nos stations, et tout en partout en France, hein, demain soir c'est le 14 juillet, demain soir, ou ce soir encore, hein, il y a pas mal de communes qui font les fêtes ce soir. Eh bien la montagne, c'est là où c'est le plus calme, à part les cloches, évidemment. Ça fait un petit peu de bruit. Mais en tout cas, c'est très agréable. Vous voyez, il fait une belle lumière ce soir avec un beau soleil couchant sur les Aravis, la Clusaz, les confins. Une région magnifique, avec un parapentiste là-haut, avec quelques nuages sur les crêtes seulement, mais du grand beau temps. Et on vous offre ce soir, eh bien... avant les fêtes du week-end, les snails, les cloches nouvelles. La journée a été belle. Et demain, pareil, grand beau. Avec les défilés le matin, après-midi, ben, d'autres manifestations. C'est les vacances qui commencent, la haute saison, partout, sur les côtes, sur les montagnes, un peu partout, profitez-en bien. Bonjour, Savoyard, nous dit Bernard, les cloches on aime, ah oui les cloches on aime bien aussi chez nous, dans la place du village, vous voyez. Encore un peu de neige sur les sommets, malgré la grosse canicule qu'on a eue, c'est resté. C'est joliment beau, ici, avec quelques nuages, pas de risque d'orage ce soir en tout cas. C'est le beau temps pour un beau week-end du 14 juillet. L'été qui s'annonce bien d'ailleurs. Coucou d'Argenta, nous dit Jean-Claude et Dany à la Philippe. On a vu Julien reprendre le maillot jaune aujourd'hui. Dites donc. Eh ben, dites donc, vous félicitez de notre part. Même si on sait que vous n'êtes pas de parenté avec le coureur cycliste. Vive les cloches! Eh ben voilà les cloches dans la montagne, c'est ça l'alpage. On est à 1500 mètres ici, on a le lac des confins juste en face de moi là. Et la chaîne des Aravis, toute blanche évidemment l'hiver avec des belles pistes de ski ou de randonnée ici, hein, voyez. Et puis l'été, c'est la balade. Enfin des cloches avec des vaches. Enfin des vaches avec des cloches, nous dit-on, Pierrette. Voilà, petite vidéo du soir. Ça y est, encore pas couché, hein, voyez. Les Aravis, ici, Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Avec une bonne douceur, 21-22 ici, à 1500 mètres. Hein. C'est pas non plus la grosse chaleur. Les nuits sont fraîches ici, on dort bien, récupère bien. Alors que dans le sud de la France, il fait chaud et encore très chaud la nuit. Mais plus frais dans le nord de la France. Vous voyez, je vous montre ici les pâtures avec de la bonne herbe qui a bien poussé. Je fais un panoramique ici avec cette fois-ci la vue ici sur le Mont Lachat, la pointe devant nous. Le Mont Lachat du Grand Bornand. Vous voyez, plein de manifestations dès ce soir. Hein, et beaucoup de communes, de villes qui font les fêtes ce soir et demain évidemment, demain soir. On peut finir tard si lundi vous êtes en vacances, sinon c'est pas le cas. Si vous venez à Argenta, on fera l'apéro, on y compte bien, et on y compte bien aller à Argenta et aussi prendre l'apéro avec vous, Dany et Jean-Claude. C'est super sympa. Vous voyez comme c'est beau, bah, c'était un peu la... beaucoup de tiens, nous dit Dany. L'air pur. Alors l'air pur, je peux vous dire que c'est... là, l'air est pur, hein, franchement. Là, on est dans une région où
La pureté de l'air est totale. Bonjour Belgique, on nous dit. Magnifique, effectivement. Bon, ça lasse pas, hein. Alors on voit aussi l'herbe ici, hein, elle est bien sûr broutée par les vaches. Cette herbe est de bonne qualité, avec beaucoup de fleurs. On en voit quelques-unes ici, ou encore là. Ces fleurs, ce sont ces fleurs qui donnent ce goût à ce lait et au fromage, dont ici on rappelle le symbole et bien sûr le fameux reblochon. Lens-le-Villard, nous dit Sylvie. On ira là vous faire un tour en Haute-Maurienne bientôt. Avec cette belle lumière du soir. Un petit nuage seulement là-haut, mais un tout petit nuage pour faire beau dans le décor. Pas d'orage. Brigitte nous dit qu'il fait très chaud dans le midi de la France. Bah, je vais bien vous croire. Bonjour du Var. Bah oui, parce que là-bas, c'est quand même tout l'été comme ça, et cette année en particulier. Ce qui veut dire que bah, d'un côté, il fait chaud la journée, et la nuit, on récupère pas trop bien. Alors qu'ici, franchement, il y a un petit vent là, actuellement, là où je suis. On a un petit vent de 21 degrés. On est très très bien. C'est beau la Corse, nous dit Frédéric. Mais Yo, c'est quand même pas mal non plus. Il a raison, mon frère jumeau est en Corse encore aujourd'hui. Il rentre bientôt, je crois, dans les Alpes du Nord, assez rapidement. Il nous a fait un direct, hein, sur cette page. Vous retrouvez juste en dessous de cette publication l'agenda du week-end qu'on a fait avec Johan Guillermin, le correspondant, et plein d'autres publications et des gens qui, par ailleurs, vous l'avez peut-être vu, aiment les bonnes choses de la vie, dont certaines gnôles qui ne sont que des produits du terroir, avec modération évidemment. Coucou Dark Esnan, c'est du côté du Jura, si je ne m'abuse. 63, vous avez des vaches dans le Puy de Dôme également. On ira bien un jour faire des émissions dans le Massif Central. Passez une bonne fête, nous dit Yvette Coquillard du 14 juillet. Ben merci. Et passez également une belle fête du 14 juillet. On a les cérémonies le matin qui vont avoir lieu dans toutes les communes, tous les villages et les villes. Et l'après-midi, ben, au soleil, mer ou montagne. Et on pense bien sûr à tous les professionnels de la montagne ou de la mer ou du tourisme qui travaillent partout en France ou ailleurs et qui nous accueillent bien. Jean-Claude prépare les toasts, nous dit Dany. Alors faut nous dire à quoi c'est les toasts, qu'on y sache. Bonjour de Salange et Sébastien Brut en direct avec vous pour cette fin de journée, samedi 13 juillet 2019. La montagne est là, elle vous attend. Il y a du monde, hein, c'est arrivé déjà ce matin, hier soir, dans les station, mais il y a encore de la place, hein. Je peux vous dire qu'il y a encore de la place. Un bonjour Michel Poncet nous dit de Trois-Rivières au Québec, où les vaches ne sortent pas beaucoup. Ah bah oui, là-bas, soit elles restent à l'intérieur, soit l'été est tellement court. Ah, c'est ça que vous voulez dire. Bonjour de Finlande, nous dit Aletch, d'Aix, la Finlande, beau pays aussi, beaucoup de lacs, beaucoup de nature, bah ça, nature en fait. Voilà, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. En tout cas, belle soirée, profitez bien. C'était le petit coucou du soir avec ce soleil couchant sur les Aravis Haute-Savoie, la Clusaz, les confins à Revipa. Et merci de nous avoir suivis. Le foie gras, tiens, Dany, Jean-Claude, Alaphilippe nous disent qu'ils vont arroser la victoire de Julien, c'est ça, avec des toasts au foie gras. Eh ben, on court chez vous. Toast à la concoyotte, nous dit Ludivine Pierre. Ah ben, on voit que vous avez bien les bonnes choses aussi par chez vous. En tout cas, c'est sympa d'être avec nous, de partager, de discuter. Ambulancier Admas, Tony, travaille demain. On va saluer les professionnels, évidemment, qui travaillent demain dans la sécurité, dans l'accueil touristique ou autre. On vous salue parce que c'est 14 juillet, c'est pas férié pour tout le monde et on pense à vous aussi pour notre sécurité. Et on vous fait un grand coucou. Finalement, on fait un coucou à tout le monde, à ceux qui sont en vacances, à ceux qui seront en vacances, à ceux qui ont fini leurs vacances et à ceux qui travaillent également ce week-end du 14 juillet. Voilà, 14 juillet. Ah, c'est qu'à Paris, hein. C'est le cœur de l'été. En gros, on dit dans nos montagnes qu'entre le 14 juillet et le 15 août, on se fait la pleine saison. Après, c'est un peu différent. Mais la montagne est belle en toute saison. Et puis, on n'oublie pas que l'hiver, c'est pas mal non plus. Voilà. Eh bien, on va vous faire un bon petit coucou avec sur ces vaches qui viennent de partir. Et on vous souhaite une très belle soirée. Nous aussi, foie gras. Ben, dites donc, on se croirait presque à Noël avec les foie gras que vous nous proposez. Maintenant, on le consomme toute l'année, évidemment, le foie gras. Voilà. Belle soirée à vous. La montagne vous attend, on vous dit. Bon week-end, bon 14 juillet. On se retrouve bientôt pour un direct, on ne sait pas quand. Peut-être demain matin pour les manifestations, l'après-midi, on ne sait pas encore. Peut-être même ce soir avec notre équipe de correspondants, dégaine. Dès qu'il se passe quelque chose, on ne dégainera pas pour les orages ce soir, comme on le fait parfois, puisque c'est grand beau temps, donc sécurité totale au niveau de la météo. Juste prévoir la crème solaire si vous êtes au bord des lacs, au bord de la mer, ou même ne serait-ce que dans la nature, puisque le soleil frappe fort encore au 14 juillet. Ah, le 14 juillet, voilà. Une belle saison. Bonsoir à vous de Silage, nous dit Moumine. Merci encore pour vos magnifiques vidéos, c'est sympa comme tout. Et ben à tout bientôt
Et merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, belle soirée, bonne soirée de Belgique. À bientôt les Arvi, on reviendra par ici ou ailleurs, dans cette page Facebook, la place du village à Arvipa. Allez, je vous salue, merci, au revoir.